Stati attenti, promozioni iniziano stasera. La plus grande menace du démon n'est pas pour votre corps, mais pour votre âme. Dieu vous aidera à traverser cette épreuve. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose d'horrible. Montre-toi, démon! C'est l'Antéchrist. Le mal va passer de leur monde dans le nôtre. De folie. Et la plus noire des heures. C'est au-delà de ce que j'imaginais. Nous attend tous. Dans ma vie, j'ai vu des choses vraiment terrifiantes. Maintenant, je sais que tu verras pire. Maintenant à cet ouvrage que tu as eu le bon goût de traduire. Alors, première question, mon cher Guillaume. Cet ouvrage du Père Berry, l'Apocalypse de Saint Jean, comment es-tu tombé dessus ? Eh ben, c'est tout simplement avec l'activité du Fidépost, puisque je traduisais pas mal de choses à partir de l'anglais, et un jour je suis tombé, j'avais l'idée justement d'avoir plus de... je me passionne un peu pour les études bibliques, donc je m'orientais vers ce genre de commentaires, et en fait je suis tombé là-dessus, il y a peut-être trois ans de ça, et j'étais absolument stupéfait, parce que je suis tombé sur des extraits de ce livre, dont on va parler hein, tout à l'heure. Je suis tombé là-dessus sur des sites anglophones, hein, effectivement, le Père Berry étant américain, son livre a été redécouvert, en fait, il y a quelques années. Ce qui est étonnant, c'est que le Père Berry est mort en 1954, pourtant, son œuvre, finalement, n'a été connue que très récemment. Le bouquin date de 1921. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, retenez, chers auditeurs, la date de 1921, parce que on va en reparler, mais vraiment, il y a des passages, effectivement, où moi, je t'avoue que j'ai aussi sauté de ma chaise, quoi. Alors, juste un truc que je précise, Guillaume, c'est que, concernant ton activité de Fidépost, c'est que tu es donc bilingue, enfin bilingue, tu parles très bien l'anglois, et tu as ce tropisme, mais disons que tu t'intéresses de près à ce qui se fait aux États-Unis. Et notamment, tu as des vidéos avec certains théologiens américains. Hein. Et il faut reconnaître que parmi les plus grands pays Nanunakum, enfin où il y a les plus grandes communautés Nanunakum au monde, bah il y a la France et il y a aussi les Américains. Ils sont assez actifs. Ils sont assez actifs sur toutes ces questions-là, quoi. Voilà. Je voulais le préciser. Donc, tu découvres le Père Berry sur Internet, en anglois.
tu commences, bah, tu découvres des extraits qui te surprennent, on va dire ça comme ça. Et tu te mets à la traduction. T'as mis combien de temps pour traduire tout ça? J'ai dû mettre à peu près un mois. Ah oui, non, bah, attends, tu rigages. Moi, j'aurais mis 3 ans moi, à traduire ça. Alors. Bon, c'est. Ouais, c'est... bon, après, il fait que 200 et quelques pages, donc ça va. Ouais, enfin, le sujet, voilà, c'est pas du globish, quoi. Hein. C'est pas une chanson de métal, là, qu'on traduit, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors. Oui, mais justement, ouais, mais si je peux me permettre, l'avantage de ce livre, c'est que le père Berry était un professeur, donc, de théologie dogmatique, et ce livre est extrêmement facile à lire. Et il a été aussi. Juste un mot sur la structure du livre. Donc, c'est très, très simple. Donc, c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est un livre sur l'Apocalypse. Donc, concrètement, vous voyez, le père Berry restitue le texte de l'Apocalypse. Et ensuite, eh ben, il reprend verset par verset et il commente. Voilà. Il fait l'exégèse. Donc voilà, c'est un livre donc, dans lequel il y a du fond, mais qui est très très facile d'accès et qui est très facile à lire. Alors je te recède la parole, Guillaume. Voilà, alors je voulais aussi ajouter que ce livre, bien entendu, a reçu Neil Obstadt, imprimatur, oui, et un éloge en introduction donc, du livre original par Mgr Hartley, qui était l'évêque de Columbus, et qui nous fait justement un très bon résumé en fait de l'intérêt de ce livre. C'est que, premièrement, il ne faut pas oublier que le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas seulement un livre où vous avez des messages très mystérieux, qu'on a un peu du mal souvent à comprendre. Alors déjà, le père Berry nous aide à décrypter un peu toute la symbolique de ce livre, d'une manière absolument orthodoxe, bien entendu. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de vérités dogmatiques qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Et enfin, il ne faut jamais oublier non plus que le livre de l'Apocalypse nous apporte un grand nombre de motifs d'édification spirituelle pour tous les croyants de toutes les époques, et c'est l'une des caractéristiques en fait de tous les livres de la Sainte Écriture. Donc ça, c'est les trois principaux intérêts, bon, évidemment. Et l'autre intérêt qui nous concerne particulièrement, c'est que ce livre, enfin, le père Berry nous rappelle que le livre de l'Apocalypse est un livre qui nous donne l'histoire prophétique de l'Église, c'est-à-dire qui nous parle du futur de l'Église depuis les temps évangéliques, les temps apostoliques plus précisément, jusqu'à la fin des temps. Et le travail de l'exégète et de tous les exégètes, les pères de l'Église, les docteurs qui ont commenté ce livre depuis les premiers temps de l'Église, eh bien, ça a été d'essayer de comprendre quelles étaient les parties de l'histoire qui étaient justement dont il était question dans le livre de l'Apocalypse. Alors, il y a une méthode plutôt traditionnel, qui découpe en 7 grands âges de l'Église. Le père Berry nous dit que, effectivement, ça c'est la méthode traditionnelle, et lui, en fait, il la reprend, mais il va la réadapter pour la simplifier en faisant 3 grandes périodes, donc une période de, on va dire, qui en fait toute la période de l'Église jusqu'à quasiment le temps du revient père Berry, donc jusqu'au XXe siècle. Et puis, il y a une autre période qui est celle, on va dire, de cette bataille contre l'Antéchrist, contre les forces de l'Antéchrist, qui éclate réellement. Et puis il y a une troisième période qui est en quelque sorte le règne universel de ce qu'il appelle lui le règne universel de Jésus-Christ, qui mène ensuite à la fin des temps. Voilà. Alors on rappelle aussi que sur l'Apocalypse il y a un célèbre exégète qui est le vénérable Sauzer, mais c'est pas le sujet du jour. Je lance juste la référence pour les internautes. Alors t'as commencé à mon cher Guillaume à nous évoquer le sujet qui est cette bataille contre l'Antéchrist. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment le père Berry évoque toutes ces questions-là? Bah, tout à fait. Alors, ce sont notamment des questions qui sont traitées dans le chapitre 12 et 13 du livre de l'Apocalypse. C'est notamment ces passages qui concernent, en fait, une question de ces bêtes qui émergent de la terre et de la mer. Et, alors, il y a aussi une autre chose que j'ai oublié de préciser, mais ça, en lisant le livre, vous vous en rendrez compte que le livre de l'Apocalypse renvoie en permanence soit à des passages, notamment très prophétiques, des évangiles, notamment Matthieu 24, mais ça va aussi être d'autres passages du Nouveau Testament, comme 2 Thessaloniciens, donc qui parlent justement du mystère d'iniquité. Et il renvoie aussi, bien sûr, à d'autres passages prophétiques, mais cette fois-ci de l'Ancien Testament, par exemple le livre de Daniel,
etc., etc. Donc ça aussi, c'est très intéressant à voir, puisque on voit que cette guerre, bon, bien sûr, elle est prophétisée déjà dans la Genèse. C'est dans Genèse 3:15, hein, notamment, je crois, ou un peu après, je ne sais plus. Donc cette fameuse phrase, « Et je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Donc la postérité du serpent, c'est l'antéchrist et ses partisans, et la postérité de Marie, la femme, c'est Jésus-Christ et ses fidèles disciples. Donc c'est l'Église, tout simplement. Et par rapport à cette guerre, eh bien, alors pour clairement aller au but du sujet, hein, ce qui est vraiment frappant dans ce livre, et moi ce qui m'a stupéfait, c'est que le révérend Père Berry, en 1921, sans avoir eu aucune connaissance, bien sûr, de Vatican II, de quoi que ce soit, hein, de tout ça, fait son exégèse dans son coin, et que nous dit-il? Eh bien, il nous dit que l'un des signes principaux, en fait, qui va vous faire comprendre que nous sommes arrivés dans les temps de l'Antéchrist, vous allez avoir l'apparition d'une fausse église, d'un faux pape, avec tout ce qui va avec, donc faux sacrement, etc., etc., et que tout ceci se passera, en fait. En fait, il nous dit même plus clairement, alors je vais même rapidement citer ce passage, parce que c'est vraiment stupéfiant, il nous dit, voilà, alors le dragon se tient devant la femme, donc il parle effectivement donc de ce passage, donc, je crois que c'est le chapitre 12 ou 13, le dragon se tient devant la femme, prêt à dévorer l'enfant. En d'autres mots, les puissances de l'enfer cherchent par tous les moyens à détruire le pape, qui sera élu en ce jour. Donc, c'est peut-être, par exemple, Pie XII, ou peut-être certains pensent que c'est le cardinal Siri. Ou la papauté, tout simplement, dans son principe même. C'est ça, ou l'office papal, tout simplement. Rappelons encore une fois, le Père Berry, voilà. Le Père Berry, lui, reste en 1921, donc, mais il nous donne des clés. Donc, je continue, il nous dit, à peine ce pape nouvellement élu est-il installé, qu'il subit le martyr, le mystère d'iniquité se développe graduellement, de siècle en siècle, et ne peut être pleinement consumé tant que subsiste le pouvoir de la papauté, et maintenant. Donc il cite 2 Thessaloniciens, que celui qui tient maintenant tienne jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et maintenant, voici le passage. Durant la vacance du siège, apparaîtra cet impie, il fait référence au faux prophète, apparaîtra cet impie dans sa fureur contre l'Église. Il est un fait historique que les plus désastreuses périodes pour l'Église furent les moments où le siège papal fut vacant, ou lorsque des antipapes s'opposaient avec la tête légitime de l'Église. Il en sera de même dans ces terribles jours qui arrivent. L'Église, privée de son pasteur suprême, devra trouver refuge dans la solitude, là où elle se trouvera dans le conseil de Dieu, etc., etc. Donc ça, c'est un premier passage dont il nous donne... Et petite parenthèse, avant que nous citions un deuxième, le passage de Thessaloniciens est très intéressant parce que l'abbé Vigano l'a pas mal utilisé dans ses derniers textes, justement, hein, pour nous dire, pour nous parler aussi de la question antéchrist. Mais vas-y, poursuis donc, Guillaume, je t'ai coupé, excuse-moi. Voilà, alors je vais juste retrouver le deuxième passage où c'est encore plus clair. Voilà. Alors ça, c'est un autre passage, alors qui je l'ai sous les yeux là parce que je suis sur le fil des postes. Le révérend Père Berry donc a écrit plusieurs livres, bien entendu. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle The Church of Christ, qui est un traité d'apologétique, un traité de théologie dogmatique où il fait exactement les mêmes conclusions. Et là, nous sommes en 1927. Je le cite parce que on trouve exactement le même passage en fait dans le livre, le commentaire de l'Apocalypse là. Mais je vais citer celui-là, ce sera plus simple. Voici ce qu'il nous dit. Les prophéties du livre de l'Apocalypse montrent que Satan cherchera à imiter l'Église du Christ afin de tromper l'humanité. Il érigera une Église de Satan en opposition à l'Église du Christ. L'Antéchrist s'y présentera dans le rôle du Messie. Le faux prophète se présentera sous l'apparence d'un pape. Et l'on verra alors apparaître des imitations des sacrements de l'Église. On verra aussi des prodiges trompeurs en imitation des véritables miracles de l'Église. Voici ce que nous dit le révérend Père Berry en 1927. Alors là, j'ai deux autres citations, si tu le veux bien. Oui. Le faux prophète se tiendra sans doute à Rome et sera une sorte d'antipape durant la vacance du trône papal. Énorme. Mais les élus ne se laisseront pas tromper. Oui. Ta, 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 ta. Alors ensuite, page 141, j'avais relevé. Alors, les disciples de l'Antéchrist seront marqués par un faux signe, imitant celui que Saint Jean vit sur le front des serviteurs de Dieu. Ceci indique que l'Antichrist et son prophète mettront en place des cérémonies qui imiteront les sacrements de l'Église. De fait,
Il existera alors une véritable organisation, une église de Satan, érigée en opposition à l'église catholique. L'antéchrist comme le messie, tatatin, et le faux prophète usurpera le rôle du pape. Je répète, le faux prophète usurpera le rôle du pape. Leurs cérémonies et rites seront une contrefaçon des sacrements, tandis qu'ils feront passer leur magie pour des miracles. Un projet similaire fut tenté au IVe siècle lorsque Julien l'Apostat créa une contrefaçon de rites catholiques en le remplaçant par un mélange de cérémonies païennes en l'honneur de Mitra et de Cybèle. Il établit également des prêtres et institua de faux sacrements imitant le baptême et la confirmation. Non mais attends, là c'est hallucinant quoi. Parce que là, ce qu'on décrit, c'est exactement ce qui s'est passé depuis 58. C'est-à-dire l'émergence d'une fausse église qui ne professe pas la foi, qui a inventé avec Paul VI, Montini, des sacrements bidons qui ne sont pas valides. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on a oublié. Le diable est le singe de Dieu. Voilà, c'est... Exactement. Le 3 avril 1969, Paul VI, aidé de 6 ministres protestants, créa une nouvelle messe. La tentative prédite de la fin des temps. Le diable tente de faire cesser le sacrifice de la messe partout sur la terre. Il veut détruire pour toujours la messe traditionnelle catholique du rite romain. La nouvelle messe de Paul VI est à l'origine. De la langue vulgaire à la place du latin, l'anglais, le français, etc. Du prêtre qui se tourne vers les gens, de la communion se donnant dans la main, et que la messe soit célébrée sur une table au lieu d'un autel. Ces mêmes choses furent également observées par la liturgie anglicane quand ils se séparèrent de l'église catholique dans les années 1500. 83% des prières de la messe traditionnelle furent supprimées, non fusionnées dans la nouvelle messe. On a même vu le tabernacle mis de côté ou placé dans une salle annexe en dehors de l'église. Les autels furent déplacés, les statues traditionnelles et les stations de croix furent enlevées. Et les nouvelles églises qui se construisent ont l'air d'avoir été conçues par des démons sortis tout droit de l'enfer. Les intérieurs des églises catholiques ont été changés et ressemblent à ceux qui se trouvent dans les loges maçonniques. Au milieu de l'église, là où se trouve normalement l'autel, on trouve même parfois des chaires de président. Et l'homme se place dessus. C'est donc l'homme à la place de Dieu. Voilà la religion de l'antéchrist. Jean Guiton, un ami intime de Paul VI, a écrit « L'intention du pape Paul VI à l'égard de ce qui est communément appelé la nouvelle messe est de réformer la liturgie catholique de telle manière qu'elle devrait presque coïncider avec la liturgie protestante. Il y a chez Paul VI une intention œcuménique d'effacer, ou du moins de corriger, ou du moins d'assouplir, ce qu'il y a de trop catholique au sens traditionnel dans la messe, et de rapprocher la messe catholique, je le répète, de la messe calviniste. » Le Christ a affirmé « Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » Or, la fausse église de Vatican II occulte ces paroles du Christ parce qu'elle n'en veut pas. Elle est en rupture avec le magistère de l'église et ne garantit pas la sauvegarde du dépôt de la foi. En appelant à l'unité des hommes, sans les convertir, elle ne cherche pas à sauver les pécheurs et n'est ni sainte ni apostolique. Son union de façade avec les autres fausses religions est en totale contradiction avec le principe d'unité de l'église. L'église est une, elle n'a qu'une foi, c'est un dogme. Mais cette contre-église conforte dans l'erreur ceux qui ne reconnaissent pas la divinité du Christ et encourage l'idolâtrie et l'indifférentisme religieux en organisant des prières en commun avec les idolâtres.
Fratelli Tutti est un plan d'action maçonnique, ni plus ni moins. Je répète, un plan d'action maçonnique. Et d'ailleurs, ça a été salué par le frère Mélenchon. Et cela a été salué par une loge espagnole, je crois. Une obédience espagnole. Et aussi, attendez, j'oublie. Cela a été salué par le grand imam Ahmad al-Tayeb. Voilà. Bon. Ça ne perturbe pas, puisque ça, d'ailleurs, je crois, les conciliaires. Permettez-moi de vous citer l'abbé Vigano. Lors d'une lecture rapide du texte de l'encyclique Fratelli Tutti, tout le monde serait amené à croire qu'il a été écrit par un franc-maçon et non par le vicaire du Christ. Tout y est inspiré d'un vague déisme et d'un philanthropisme qui n'a rien de catholique. Cette encyclique constitue le manifeste idéologique de Bergoglio, sa Professio Fidei Masonicae, donc profession de foi catholique, et sa candidature à la présidence de la religion universelle, servante du nouvel ordre mondial. Tant d'attestations de subordination à la pensée dominante valent peut-être les applaudissements des ennemis de Dieu, mais cela confirme l'abandon inexorable de la mission évangélisatrice de l'Église. Dans cette encyclique, entre guillemets, en effet, Bergoglio nous vend une unification planétaire. Unification planétaire qui, pour me répéter, ne repose pas sur le règne du Christ-Roi, mais sur une prétendue fraternité universelle et sur une prétendue amitié sociale. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie ? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu, mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi ? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. Je suppose que vous avez déjà une vague connaissance des pratiques de notre ordre. Ce que d'aucuns appellent sciences occultes ou pratiques magiques. Nous savons que vous ne croyez pas à la magie, Monsieur Holmes. Mais il nourrit un projet bien plus dangereux. Son secret provient du livre des sortilèges. C'est là la source de ses pouvoirs. Il va libérer des forces qui changeront le cours du monde. Nous vous prêterons toute notre assistance.
En tant que ministre de l'Intérieur, j'ai une influence de premier ordre sur la police. Mmh, mmh, oui. Mes pouvoirs et ma richesse m'ont été conférés dans un seul objectif. Objectif glorieux et simple à la fois. Forger un avenir nouveau. Un avenir que nous dominerons. La magie nous indiquera le chemin. Dès que le peuple d'Angleterre verra nos pouvoirs inédits, il se prosternera de peur. Nous allons remanier le monde et forger l'avenir. Très Sainte Vierge Marie nous a notamment prévenu lors de son apparition à La Salette en 1846, où elle dit bien à Mélanie Calva de faire passer un message à tout son peuple, selon lequel l'Église sera éclipsée, les mauvais livres abonderont sur la terre, les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu, la vraie foi s'est éteinte et c'est désormais la fausse lumière qui éclaire le monde. Puis elle ajoute: Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Bien qu'étant du domaine de la révélation privée et non de foi, on peut penser qu'il s'agit bien ici d'une éclipse où l'Église conciliaire cache, donc éclipse, l'Église catholique en occupant le Vatican et en usurpant son autorité dans ses institutions. Rome a bien perdu la foi puisque le Vatican professe depuis Vatican II des hérésies et est bien le siège d'un antéchrist, puisque les pontifes conciliaires combattent la foi du Christ. Cette vérité aurait été révélée au pape Léon XIII en 1884 également, lorsqu'après avoir eu une vision à la fin de sa messe, il rédigea son exorcisme sous la dictée de l'Esprit-Saint, dans lequel il écrit de façon prophétique « L'Église, épouse de l'agneau immaculé, la voici saturée d'amertume, et abreuvée de poison, par des ennemis très rusés, ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elles désirent de plus sacré. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chair de la vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. C'est donc bien cela le but de l'Église conciliaire. Elle veut corrompre, puis détruire toutes les vérités enseignées jadis par l'Église, afin que les fidèles n'ayant plus accès à l'enseignement originel de l'Église catholique ne puissent pas les dénoncer comme usurpateurs et que petit à petit, ces fidèles perdent la foi, faute de recevoir un enseignement catholique. Car si aucun fidèle ne reconnaissait les autorités conciliaires comme légitimes, ceux-ci devraient quitter les institutions et perdraient tout le pouvoir de corruption qu'ils exercent actuellement sur les masses. Habemus Papam. L'Église conciliaire n'a donc qu'un seul but, se cacher derrière un vernis faussement chrétien pour amollir la doctrine du Christ, jusqu'à en faire un principe d'amour, de tolérance et de pardon universel, proche des notions humanistes, voire gnostiques, afin de s'en servir comme d'un socle pour établir une nouvelle religion au service d'un nouvel ordre mondial. C'est pour cela que la franc-maçonnerie, la synagogue et l'ensemble des élites mondialistes qui nous gouvernent
ne cesse d'encenser tous les papes depuis Vatican II. Pour illustrer cela, on pourra citer en premier lieu les actes de Jean XXIII, parus dans 60 ans de religion conciliaire du collectif Saint-Robert Bellarmin. Le bon pape Jean, lui le premier, humilia l'Église, en la mettant à genoux devant la synagogue. Voilà ce que nous disent ses amis, qui le connaissaient bien pour l'avoir souvent fréquenté. « J'étais très lié à Monseigneur Roncalli, nonce apostolique à Paris. Il m'a reçu plusieurs fois à l'annonciature et à diverses occasions, il est venu à mon domicile de Bellevue, en Seine-et-Oise. Quand j'ai été nommé ministre de l'Ordre de Malte, j'ai manifesté au nonce mes perplexités à cause de mon appartenance à la maçonnerie. Monseigneur Roncalli m'a conseillé formellement de rester dans la maçonnerie. Yves Marsaudon poursuit. Il m'a reçu à Castel Gandolfo, en ma qualité de ministre émérite de l'Ordre de Malte, et il m'a donné sa bénédiction en me renouvelant son encouragement pour une œuvre de rapprochement entre les églises, comme aussi entre l'église et la maçonnerie de tradition. Ajoutons qu'Yves Marsaudon était un 33e degré, ministre du Suprême Conseil de France du rite écossais ancien et accepté, et que son livre « Écuménisme vu par un franc-maçon de la tradition » porte la dédicace à la mémoire d'Angelo Roncalli qui a daigné nous accorder sa bénédiction, sa compréhension et sa protection. Dans ce livre, Marsaudon résume pour nous. On peut vraiment parler de la révolution qui, partie de nos loges maçonniques, s'est étendue magnifiquement au-dessus du dôme de Saint-Pierre. La terre entière pleura le bon pape Jean, et il faut bien l'avouer, tout le monde ne peut pas avoir l'honneur d'un tel panagérique funèbre. La grande loge occidentale mexicaine, des maçons libres et acceptés, à l'occasion de la mort du pape Jean XXIII, rend publique sa douleur pour la disparition de ce grand homme qui est venu révolutionner les idées, les pensées et les formes de la liturgie catholique romaine. Les encycliques Mater et Magistra et Pacem in Terris ont révolutionné les idées en faveur des droits de l'homme et de sa liberté. L'humanité a perdu un grand homme et nous, maçons, reconnaissons en lui ses principes élevés, son humanitarisme et ses qualités de grand libéral. Citation du journal El Informador du 4 juin 1963. Franco Belgrandi rappelle, lui, qu'au moment du concile, fut diffusée parmi les pairs une publication circonstanciée qui accusait d'illégitimité l'élection de Jean XXIII parce que voulue par la maçonnerie. Elle indiquait Roncalli comme appartenant déjà à cette secte depuis les années de sa nonciature en Turquie. À la mort de Jean XXIII, son successeur, Montini, dit Paul VI, lui démolit le Saint-Office, gardien de l'orthodoxie. Il abrogea le serment antimoderniste. Il luthérisa la messe, la considérant non plus comme le sacrifice renouvelé, mais non sanglant de la croix où Jésus-Christ se trouve réellement présent dans l'hostie, mais comme un mémorial. Il rendit des hommages publics à Luther. Il jeta toute la tradition aux orties, voulut que l'on quitte la soutane pour l'habit civil, permit des concélébrations avec des pasteurs anglicans, permit la communion dans la main en mini-jupe, abolit le latin dans la liturgie, fit tourner les autels vers le peuple, les remplaça par des tables pour la scène protestante, laissa démolir les dogmes, laissa brouiller les sacrements, changeant les rituels, les rendant douteux ou invalides, etc. Politiquement, il agit comme un véritable agent du KGB, en faisant enfermer dans la tour, la prison du Vatican, le cardinal Joseph Slippy, primat d'Ukraine, après que celui-ci ait dénoncé les 10 millions de cadavres en Ukraine et les crimes des communistes devant un synode épouvanté. Mais déjà, avant son élection en novembre 1954, Pie XII chassa Montini, futur Paul VI, alors secrétaire d'État, pour avoir trahi le Vatican avec les services secrets soviétiques. Le cardinal Eugène Tisserand avait des archives continuellement mises à jour qui contenaient les lettres de Monseigneur Montini, signalant au KGB soviétique les noms des prêtres et des évêques que Pie XII envoyait clandestinement en Union soviétique auprès des catholiques opprimés et persécutés. Toutes les personnes envoyées étaient inexplicablement et systématiquement capturées, exécutées ou envoyées dans des camps soviétiques. Ainsi, alors qu'avant le concile, les papes ne cessaient de réprimer les chefs d'État qui ne se comportaient pas selon les principes de charité et de bien commun de l'Église, aujourd'hui, tous les ennemis de Dieu et les serviteurs de Satan sont reçus en grande pompe au Vatican ou protégés et défendus par ses usurpateurs.
Il est donc aisé de voir que l'Église conciliaire et l'Église catholique sont deux entités bien différentes. Dressons pour cela un tableau des différences qu'il existe entre l'Église conciliaire et l'Église catholique et leurs conséquences. Tout d'abord, l'Église conciliaire n'a pas la même messe. L'Église conciliaire n'a pas le même calendrier liturgique. L'Église conciliaire n'a pas les mêmes tenues pour ses prêtres et ses évêques. L'Église conciliaire n'a pas même le même langage. L'Église conciliaire n'a pas les mêmes lieux de culte, sauf si accaparés. L'Église conciliaire n'a pas le même art. Le pape Pie VI fit remarquer que les hérétiques, inspirés par le diable, ont toujours utilisé des tactiques de ce genre pour inculquer des hérésies et tromper les gens. Pape Pie VI, Bulle Auctorem Fidei, 28 août 1794, citation. Les anciens docteurs connaissaient la capacité des novateurs dans l'art de la tromperie. Pour ne pas heurter les oreilles des catholiques, ils cherchaient à masquer les subtilités, en employant des mots apparemment anodins qui leur permettaient d'insinuer l'erreur dans les âmes avec la plus grande douceur. Une fois la vérité ainsi compromise, ils pouvaient, au moyen de légers changements ou ajouts terminologiques, déformer la confession de la foi qui est nécessaire à notre salut et, au moyen de subtiles erreurs, conduire les fidèles vers leur damnation éternelle. Fin de citation. Ceux qui affirment que la secte Vatican II est l'Église catholique affirment que l'Église catholique approuve officiellement de fausses religions et de fausses doctrines. C'est impossible, et cela signifierait que les portes de l'enfer ont prévalu contre l'Église catholique. L'indéfectibilité, la promesse du Christ qu'il sera toujours avec son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, signifie que jusqu'à la fin des temps, l'Église restera essentiellement ce qu'elle est. L'indéfectibilité de l'Église requiert qu'au moins un petit restant de l'Église existera jusqu'à la fin du monde et qu'un vrai pape n'enseignera jamais autoritairement l'erreur à l'Église tout entière. De plus, il faut noter que l'Église a défini que les hérétiques sont les portes de l'enfer que notre Seigneur a mentionné dans Matthieu chapitre 16. Pape Vigile, Concile Constantinople II, 553 après Jésus-Christ, citation. Gardant en mémoire les promesses faites au sujet de la Sainte Église et de celui qui a dit, Jésus-Christ, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, c'est-à-dire les langues mortifères des hérétiques. Fin de citation. Pape Saint Léon IX, 2 septembre 1053, citation. La Sainte Église construite sur un roc, qui est le Christ, et sur pierre, parce qu'elle ne sera jamais vaincue par les portes de l'enfer, autrement dit, les subtilités des hérétiques qui conduisent les âmes vaines à la destruction. Fin de citation. Saint Thomas d'Aquin, introduction de Catena Aurea, 1262. Citation. La sagesse peut emplir les cœurs des fidèles et faire taire la redoutable folie des hérétiques qu'on surnomme à juste titre les portes de l'enfer. Fin de citation. Notez que les hérétiques sont les portes de l'enfer. Les hérétiques ne sont pas des membres de l'Église.
Voilà pourquoi un hérétique ne pourrait jamais être un pape. Saint François de Sales, docteur de l'Église, les controverses, 17e siècle, page 305-306, citation. Or, quand il, le pape, est hérétique express, ipso facto, il tombe de son grade hors de l'Église. Fin de citation. Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontificiae, 230, citation. Car les hommes ne sont pas tenus ou capables de lire dans les cœurs. Mais quand ils voient que quelqu'un est un hérétique par ses œuvres externes, ils jugent purement et simplement qu'il est un hérétique et le condamnent comme un hérétique. Fin de citation. Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontificiae, 230, parlant d'un postulant à la fonction papale. Citation. Car en premier lieu, il est prouvé par des arguments d'autorité et de raison que l'hérétique manifeste est déposé ipso facto. L'argument d'autorité est fondé sur saint Paul, Tite chapitre 3 verset 10, qui ordonne d'éviter l'hérétique après deux avertissements, c'est-à-dire après s'être montré manifestement obstiné, ce qui signifie avant toute excommunication ou sentence judiciaire. Et ceci est ce qu'écrit saint Jérôme, ajoutant que les autres pécheurs sont exclus de l'Église par sentence d'excommunication, mais que les hérétiques s'exilent eux-mêmes et se séparent eux-mêmes par leurs propres actes du corps du Christ. Fin de citation. Une simple illustration démontrera en quoi cela doit être le cas. Supposez que vous avez des brebis et que vous avez nommé un berger pour veiller sur elles. Supposez qu'un jour ce berger se transforme en loup et commence à dévorer les brebis et à les tailler en pièces. Cherchant le bien-être de ces brebis, est-ce que vous laisseriez le loup à la tête du troupeau? Allez-vous demander à vos brebis survivantes qu'elles se soumettent au loup et se mettent en danger d'être dévorées à leur tour? Bien sûr que non, vous ne le feriez pas, et Dieu ne le ferait pas non plus. Dieu ne permettrait jamais à quelqu'un qui promulgue l'hérésie manifeste au fort externe de conserver l'autorité dans l'Église ou d'être capable de demander la soumission des catholiques, peu importe ses intentions. Souvenez-vous, l'hérésie tue les âmes. Thank you.
La valeur accordée au vote et à la majorité a perverti la compréhension du dogme de l'infaillibilité pontificale. Les esprits catholiques, laminés par des décennies d'enseignements mensongers, pour eux aux idéaux maçonniques relativistes, considérablement affaiblis dans leur connaissance du magistère, ont perdu quasiment tout esprit critique. Les loups déguisés en brebis en profitent pour les dévorer en les empêchant d'accéder à la vérité. Qu'une voix s'élève pour invoquer les pères de l'Église, l'enseignement des souverains pontifes du passé et le magistère de l'Église bafoué par les nouveautés, les réformateurs modernistes deviennent alors de zélés conservateurs du dogme de l'infaillibilité pontificale. Scandalisés, ils se retranchent avec malice derrière lui, ainsi que derrière l'obligation de se soumettre à l'autorité pontificale, dogme brandi comme des boucliers contre l'intolérance des esprits rétrogrades et obscurantistes. Et l'infaillibilité pontificale sert de bouclier aux démons. Quand pourtant l'infaillibilité pontificale vient du Saint-Esprit et de la promesse faite par notre Seigneur Jésus-Christ à Saint-Pierre que sa foi ne faillirait pas. C'est terrible. Les catholiques doivent se rappeler que l'élection d'un pape est véritablement le choix de Dieu. Le Christ choisit son successeur pour être le dépositaire et le garant de l'orthodoxie de la foi, et non pas pour concilier au mieux l'aspiration des catholiques libéraux à vivre comme des enfants du monde en restant les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit donne l'infaillibilité au vicaire du Christ pour qu'il s'exprime clairement et sans ambiguïté sur la foi ou les mœurs, afin qu'il soutienne les catholiques dans les bonnes croyances, les bonnes pratiques et la pureté des mœurs. La majorité exprimée par les cardinaux votants lors d'un conclave n'est pas seulement due à la convergence de jugements humains qui s'accordent à choisir le représentant qu'ils jugent le plus digne de la fonction. Elle est l'expression de la grâce qui inspire leur jugement pour faire connaître la volonté du Christ dans le choix de son vicaire. Se retrancher derrière le dogme de la soumission à l'autorité pontificale, pour accepter sans broncher la dégradation rapide de la doctrine et de la discipline dans l'Église, n'est pas catholique. Obéir à ceux qui nient les saintes Écritures, par exemple en niant l'existence de l'enfer, à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ fait 17 fois allusion dans les saints évangiles, en niant la rédemption et la nécessité du baptême pour rentrer dans le royaume de Dieu, en niant la confession et l'absolution des péchés, en niant la divinité du Christ, en déclarant que le peuple juif est injustement accusé de déicide, tout cela non plus n'est pas catholique. Ceux qui obéissent aux séides de Satan, coupables de ses idées, n'obéissent pas au Saint-Esprit, qui ne souffre aucune incohérence. Car comment le Saint-Esprit pourrait-il être l'inspirateur d'une intelligence qui contredit et s'oppose aux saintes Écritures? Obéir à un homme, au seul motif qu'il ait été élu par une majorité lors d'un conclave, sans se soucier de ce que la doctrine qu'il enseigne soit en contradiction avec la doctrine de la Sainte Église catholique, est absurde et impie. Quant à se placer derrière l'infaillibilité pontificale pour le défendre, alors qu'au contraire, elle doit servir à l'accuser, n'est-ce pas là l'expression d'un prodige diabolique? Et peut-on croire que supporter les fruits vénéneux des derniers pseudo-pontificats, qui tuent l'Église du Christ et détournent les âmes de leur fin dernière, soit une attitude qui puisse être excusée par le respect du vote d'une majorité qui, malgré sa corruption et son apostasie, assurerait à son élu de recevoir l'infaillibilité pontificale? La réponse s'impose d'elle-même, tant le bon sens crie vérité. Non, bien évidemment. Malheureusement, on assiste à une soumission maladive à l'erreur, une soumission inconditionnelle, résultant d'une inversion totale des valeurs. Et ce refus obstiné de la vérité est terrifiant, car les hommes qui se succèdent sur le trône de Saint-Pierre depuis 1958 sont des imposteurs manifestes. Et ils ne s'en cachent pas, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir.
qu'ont-ils fait de la chair de Saint-Pierre ? Non pas de la chair symbolique, mais de la chair matérielle sur laquelle il s'assoit. Ils en ont fait un trône qui évoque clairement ce que pourrait être le siège de l'Antéchrist. Il suffit de les regarder, assis dans la salle d'audience du Vatican, devant une sculpture monstrueuse censée représenter la résurrection du Christ. Mais de quel Christ s'agit-il ? Son sculpteur disait que ce Christ sortait d'une explosion nucléaire. La résurrection par l'apocalypse nucléaire, le déluge de feu. Cette sculpture abominable, ornée de crânes humains, de squelettes, d'animaux décharnés, de démons à tête humaine ou de damnés, d'arbres calcinés, d'entrelacs de branches mortes et d'ossements, évoque parfaitement une vision de l'enfer. Mais c'est ce faux Christ introduit au Vatican par Paul VI que ces imposteurs sont les vicaires. Cette abomination, devant laquelle les catholiques du passé se seraient sans doute signés quand ils l'auraient trouvée monstrueuse, trône dans un bâtiment à la forme suggestive de tête de serpent qui fut inauguré le 30 juin 1971. Les courbures du bâtiment correspondent aux courbures d'un crâne de serpent, élargi à l'arrière, rétréci vers le nez et surélevé au niveau des globes oculaires. Les deux vitraux latéraux, ovales, suggèrent des yeux et les ouvertures sur le toit, des narines. La structure des plafonds suggère même des écailles et à l'intérieur de la salle, les deux colonnes qui encadrent la statue de la résurrection font penser au croc du serpent. La chair sur laquelle siège le chef de la contre-église post-Vatican II a donc la place de la langue du serpent, symbole qui devrait tout de même faire réfléchir les catholiques, car il n'est pas difficile d'interpréter la chose. Mais combien sont-ils aujourd'hui les prêtres qui se posent les bonnes questions ? Combien d'entre eux cherchent les réponses, si difficiles soient-elles à accepter ? Combien sont prêts à tout laisser pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans son exil et à sauver ses agneaux ? Un millier ? Une centaine ? Encore moins ? Qui peut le dire précisément ? Le fait est qu'ils sont peu nombreux et que le clergé est actuellement réduit à la portion congrue. Car le chemin de la vérité est un chemin ardu que peu de personnes acceptent d'emprunter. Doivent écouter la voix du pasteur. Donc si François est un pape,
On doit écouter. On doit obéir. On doit faire ce qu'il veut. Mais si il enseigne un autre évangile, dit Saint Paul, hein, qu'il soit anathème. C'est tout simple. C'est un signe absolument sûr et certain qu'il n'est pas un pape. Puisqu'on ne peut pas avoir les deux choses en même temps. Une église imaginaire, infaillible et parfaite. Ça, c'est du platonisme. Et un autre, sur Terre, qui est complètement hérétique, dehors de la vérité, et qui regarde une église idéale qui est au ciel et qui n'existe pas. Donc ça, c'est du platonisme, et ça, c'est pas la doctrine de l'église. Et quand nous sommes des croyants, on doit toujours croire vraiment dans ces mots de l'évangile, qu'il va envoyer l'esprit des vérités et qu'il sera toujours avec nous. Et continue ici la citation de Monseigneur de Ségur, qu'il va dire « Pour que le corps ne s'égare pas, il faut de toute nécessité que la tête ne puisse s'égarer. » Le pape guide l'Église. C'est sa fonction nécessaire. L'Église doit le suivre et elle le suit toujours. Or, s'il égarait, elle s'égarait forcément avec lui. Donc, il ne peut s'égarer. Donc, il ne peut enseigner l'erreur. Donc, il est infaillible. N'est-ce pas clair comme les jours? C'est la phrase. C'est la question qui se pose avec Monseigneur de Ségur. Et on regarde ces choses et on voit que pour comprendre les problèmes, il nous faut absolument aujourd'hui trois choses. D'abord, cette conscience de l'enseignement de l'Église. C'est vrai qu'une personne qui n'est pas du tout au courant de toutes ces choses, de toutes ces doctrines, elle n'est pas dans les péchés. Mais dès que la personne, elle, sait que l'Église a toujours enseigné, surtout après le Concile Vatican I, qu'on ne peut pas dire qu'un pape peut être légitime et en même temps hérétique, donc si on est conscient de ça, Dieu va nous demander satisfaction de nos actes. On doit toujours, selon la doctrine catholique, agir selon notre intelligence. Et dès que nous avons appris tout ça, notre action doit être dans la direction de ne pas avoir communion, aucune communion, avec une personne, un imposteur, qui n'est pas du tout légitime pape de l'Église catholique. C'est pas une question d'avoir autorité pour faire ça. On juge pas personne. On juge pas même nos voisins. Mais on connaît la vérité et on fait une petite comparaison avec des choses qui sont fausses. Et dès que nous avons la conclusion que ces choses sont vraiment fausses, on dit, on ne peut pas aller pour ces chemins-là. C'est tout simple. C'est la conclusion de l'intelligence devant la réalité. La deuxième chose qu'il faut dire, qu'on doit absolument avoir dans ce temps, c'est un esprit de prière, un sentiment avec l'Église. C'est pas un sentiment de faire des choses que nous voulons.
C'est ça qui trompe beaucoup de gens. Donc, si nous avons ces sentiments intérieurs, tout à fait spirituels, pour voir la détresse de l'Église et les besoins de l'Église, ça, c'est ce qu'on appelle penser avec l'Église. Donc, sentire comme ecclesia, dans l'expression latine, ça veut dire toujours identifier où est l'Église par la vérité. Et après, donner témoignage, comme on vient de lire dans l'Évangile. Vous voyez? Donc, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, qui c'est très importante aussi, dans ces temps difficiles que nous sommes aujourd'hui, c'est de renoncer à soi-même. Voyez l'évangile de Saint-Luc, chapitre 14. Si quelqu'un ne renonce pas à soi-même, il ne peut pas être mon disciple. C'est sûr et certain, mes chers amis, qu'au début de l'Église, cette parole était très claire pour les martyrs, pour les gens qui souffraient, pour les gens qui menaient des combats incroyables. Mais avec le temps, les gens ont oublié ce passage de l'Évangile. Et aujourd'hui, ils pensent que pour mener les combats pour l'Église, d'abord, il faut savoir quelle est mon Église. Donc, dès qu'on dit, c'est mon Église, c'est ma paroisse, c'est ma vie, c'est mes habitudes. Si vous partez de ces concepts-là, vous n'allez pas arriver. Et c'est sûr et certain que vous serez trompé. Parce que le démon, il est très sage pour convaincre les gens qui sont pleins de passion, pleins d'attachement, pleins d'amour à avoir une vision aveugle. Et comme ça, ils arrivent à l'abîme au lieu d'arriver à la victoire pour Jésus-Christ. Pater noster, qui es in cedis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Amen. Amen.